Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où vous allez avoir eh bien, la liste des joueurs plus le règlement de cette quatrième saison du Tournament of Pokepot Battle of Sinnoh. Du coup voilà déjà, il y aura trois équipes, l'équipe Diamant, l'équipe Perle et l'équipe Platine. Bon, si vous n'avez pas deviné, je suis sur le serveur Discord. Chaque joueur eh bien, sera mis en sorte que l'équipe soit équilibrée en termes de niveau de joueurs. Chaque équipe affrontera les deux autres. Les victoires apportent un point aux joueurs et à l'équipe. Et les défaites ne rapportent aucun point et ne font perdre absolument rien. Sachant qu'à la fin, il y a un classement personnel en termes de joueurs, de statistiques personnelles, et également un classement par équipe. Du coup, pour cette saison, il y avait plus de règles que d'habitude. Il y avait tout d'abord que les participants ne devaient pas avoir la forme finale d'un starter de Sinnoh. Aucune attaque et Pokémon de type Fée n'était autorisée. Un Pokémon légendaire par équipe était autorisé. Chaque objet tenu devait être différent. Tous les objets sont autorisés. Il ne faut pas tricher, bien sûr. Ne pas abandonner, entre guillemets, si possible, hein. Ouais, parce que pour cette saison, il y a eu deux désistements. En tout cas, j'ai pas eu de réponse pour l'un et l'autre a abandonné parce que il n'arrivait pas à faire son équipe. Hein, je ne vise absolument personne, sachant que ces deux personnes se reconnaîtront. Je n'ai rien contre eux, mais ça me fait juste chier de d'avoir perdu du temps pour ça. En plus, les shiny et les surnoms étaient autorisés. Les méga évolutions et les attaques Z sont interdites. De plus, pour les primo-résurgences qui sont également interdites. Et les Pokémon des générations 1, 2, 3 et 4 étaient autorisés. Voilà, c'est tout pour les règles. Et au niveau des joueurs, dans la team Diamant, il y avait moi-même, Magikou et Remdav, un nouveau joueur. Dans la team Perle, il y avait Tinali, Fifadrien et Scythe. Et dans la team Platine, nous avions Tardos19, Potter et Espoir. Espoir qui était également un nouveau participant. Et nous allons nous quitter dans cette vidéo sur le logo fait par Alit. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo eh bien, vous aura plu. On se retrouvera donc eh bien, dans quelques jours pour l'intro que vous aurez et dans quelques jours encore supplémentaires pour eh bien, les premiers combats de cette saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5 et je vais vous dire enjoy.